Bonjour, bonjour à tous, les amis, bonjour et bienvenue, c'est LPAG Console 3, bien sûr. Évidemment. Voilà, de retour sur nos aventures d'objets cachés, que vous aimez toujours, je pense. Ouais, crap. Enfin, bon, j'espère. Non. Je dis ouais, j'espère. Je réponds à la place, ouais, aussi. Donc on est de retour sur un nouveau jeu, plus moderne que le précédent, plus moins sombre aussi. avec plus de trucs à faire. Donc le premier jeu de la série Bridge to Another World, donc pont vers un autre monde. Et comme je vous ai dit la dernière fois, la caractéristique de ces jeux, c'est que ça vous emmène dans des mondes incroyables, inspirés des mondes comme le Pays des Merveilles d'Alice, Magicien d'Oz et tout ça. Écoutez, ça me hype. Ouais, ça. Donc voilà, donc il y aura des petites fées comme ça. Il y aura des petits dragons, des petites bestioles mignonnes, des dryades, des... voilà, enfin, plein de trucs géniaux. Parfait, parfait. Alors qu'est-ce qu'on a de plus ? Donc en fait, dans la série Bridge machin, il y a 6 jeux au total, et il y en a un donc qui est une revisite de Alice au Pays des Merveilles, qui s'appelle Alice au Pays des Ombres. C'est changé. Ça me plaît. Et un truc sur Magicien d'Oz aussi, voilà. Donc on verra. Ça me parle moins, mais... On verra. Donc voilà, alors on a des succès. Ah. Alors, il y a des. Donc... Il y a un pénis. Désolé. Je suis désolé. La blague est intelligente. Donc, scène sans indice. Mini-jeu sans passé. Avant que le bouton passé soit chargé. Oh ça, ça, c'est chaud. Donc, ça, c'est les animaux magiques, donc c'est des métamorphes à trouver. Finir le jeu en moins de 6 heures, donc on pourra voir le temps qu'on met, et on peut le faire faut le faire en moins de 6 heures. Waouh, mais le jeu est court du coup, ou c'est, oui, il oui. faut vraiment le speedrun pour le faire en moins de 6 heures? Moi je l'ai fait, la première fois je l'ai fait en 4 je crois. C'est vrai? Ah oui d'accord, ah, il est vraiment court. Hein. Ouais, ça va on vite. On va le faire en quoi, en un mois du coup? Ouais je pense, ouais, à peu près. Quoique non, t'as fait 4. Parce que c'est le jeu de base en 6 heures, mais avec le chapitre bonus c'est un peu plus long. Okay. Reste celui-là 4 heures, nous on fait des vidéos d'une demi-heure, bon, soit on le prend en 2 mois quoi. Ouais, je pense. Ouais, ouais donc en fait, non, ça va. En fait, non, il est long. Tu t'es allé à une vidéo par semaine, tout de suite ça ralentit un peu le. C'est clair. Sense en mauvais clic, bien sûr. 5 objets en 7 secondes, 10 en 12. Ouais. Ah, ils aiment bien les chronomètres hein, dans les objets cachés. Et là, scène d'objets cachés avec silhouette sans indice. Ça, c'est chiant les suivants faits avec silhouette parce que. Il y a des fois que tu dois faire des... utiliser tel objet pour prendre tel objet, et si tu te loupes, ça te nique les clics, c'est chiant en fait. Des fois c'est un peu chiant. Oh, j'avoue que c'est... Eh, écoute, on va s'amuser. Hein. Ouais. Et ça c'est tout ce qu'il y a au milieu là, c'est des trucs de progression. Ok. Et moi j'ai réussi à presque tous les avoir, le seul qui me manquait c'était... j'avais pas trouvé tous les métamorphes, parce que j'y arrive pas, hein. Mais toi t'es le roi des métamorphes donc ça devrait aller. Ouais. Tu mets beaucoup de responsabilités sur mes épaules, mais on va essayer. Hein. Ça va aller. Et voilà. Donc ça, c'est le succès. Les bonus, bon, de toute façon, il y a le chapitre, bien sûr. Fond d'écran, les petits croquis de merde. Voilà. Ce qui remplit, quoi. C'est clair. Et les collections, donc ça, c'est les métamorphes qu'on trouve. En fait, c'est des petits animaux tout mignons qui vont s'ajouter ici. Tiens, il a l'air quand même beaucoup de trucs, hein. Ouais, non, il est bien complet. Bon, pour un lui qui se fait en 4 heures. Ouais, c'est vrai. Il est plus complet que le précédent, c'est sûr. Ah, c'est clair que ça fait bizarre, hein. Alors bon, là... C'est pas du même style, mais... Ouais, c'est ça. Donc, ce jeu date de 2014. Donc, un peu plus récent. Et là, voilà. Donc voilà, justement, le jeu. 8 chapitres. Il s'est inspiré sur les noms. C'est vraiment, c'est vraiment comment je nommais mes épisodes de Let's Play. Tout début de la chaîne, quoi. Genre, c'est vraiment. Le pont. Les trucs simples, ça va au but, tu vois. Genre le pont, dans la brume. Genre. Bon, c'est clair. C'est marrant. Voilà. Top. Ok, donc ça c'est. Alors, aux autres jeux, on s'en fout, ils sont de la pub, bien sûr. on verra bien quand on aura fini celui-ci. Hein, si c'est ça. Ouais. Qu'on aille voir les autres. Ok, donc je pense qu'on est bon. Ouais, là j'ai tout réglé correct, donc on peut y aller. On a bien blaté, une bonne introduction comme il faut. Ouais, 5 minutes. alors faut qu'on prenne la difficulté aussi. On va laisser facile, je pense. Parce que sinon il n'y a pas de petits trucs actifs. Ouais, non, sans les trucs actifs en faire.
Elles sont pas signalées, ouais. Donc c'est chiant. De toute façon, on est là pour faire le 100%. C'est ça, ouais. Enfin, moi, je suis team facile dans les jeux, hein, de base, donc... On va faire facile aussi. Alors là... Il n'y a pas un assisté, c'est genre le mec qui veut encore plus. Il n'y a pas un mode histoire. C'est un mode histoire, genre juste on le suit, et puis bah, on, voilà, c'est tout. Ça avance tout seul, on fait rien, on regarde. C'est ça. En fait, on lance un aspect d'un jeu, c'est... et on réagit. C'est ça. Non, quand même. Ok. Donc on va y aller, on a une petite cinématique très intéressante au début, vous allez voir. Donc c'est parti. Let's go. Let's go. That was long ago. That day has burned itself into my mind. Brother, the stories are true. The mist is real. I'll prove it to you. I really liked that one. Well, my next one will be even better. Investigate unexplainable phenomena, searching for my brother. I will find him. Ah, incroyable, hein? Ouais, c'était... What the fuck? Ouais, c'était chaud. Donc on a perdu notre frère, qui s'est fait happer par la brume, qui a été emmené dans l'autre monde, justement. Donc il faut qu'on le retrouve. Putain, c'était l'ascenseur émotionnel, genre, ah, oh, j'ai perdu mon papier, ah, oh, c'est triste, mais j'en ferai un nouveau, c'est cool. C'est clair. Ah, oh, mais il brûle quand même. Ah, oh, mais en fait, il y a une fée qui en sort, c'est cool. Ah, mais en fait, non, il y a les ténèbres. J'étais pas prêt. C'était, what the fuck, faut s'habituer. Bon, écoute, là, je pense, ouais, c'est le temps de... Ça nous fait bizarre, hein, passer ça, de le jeu d'avant à celui-ci. Ouais, mais... c'est clair. Donc voilà, c'est pour ça que ça s'appelle les peintures brûlées, parce que, voilà, le mec, il fait des peintures, il les brûle, et puis ce qu'il a dessiné, ça apparaît réellement, en fait. Trop fort. Trop bien. Bah, par contre, quand tu vas grandir et devenir ado, ça va commencer à devenir un peu chelou, je pense. C'est clair. Alors. Si, je suis très net. Tout ça, j'ai en train de brûler des trucs. Donc on a quoi ? On a petit journal. Donc voilà le temps de jeu là-haut, oui. Comme ça, on voit. Oh, wow. 0 minutes. Bah si, on y a plus 5 minutes. Il faut faire moins de 6 heures pour le succès. Écoutez. Je sais pas si on essaiera. Bon, ouais, si tu l'as fait en 4 heures, je pense que ouais, ça devrait aller. Ouais. Ouais. Il y a 20 ans, mon jeune cadet d'Orient a disparu dans mes yeux. J'ai jamais oublié cette tragédie et le retrouver est devenu l'obsession de ma vie. Cool, on peut revoir la cinématique. Il y a 20 ans avant de se décider à se lancer, quoi. C'est clair. Donc, ça, c'est les notes, les objectifs, bon, ça, c'est après. On peut lire la cinématique. Je lis. C'est du texte, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, il va tout nous décrire. On a une petite carte. Un petit pion. Ouais. Donc là, on a plusieurs zones comme ça. Donc, quand c'est jaune, c'est où on est, je crois. Ah non, c'est quand c'est jaune, c'est qu'on a un truc à faire. Ok. Et rond, c'est. Ouais, le rond, c'est où on est. Et ça, c'est inaccessible. Ok. Bon, comme ça, au moins, c'est... Enfin, c'est toujours cool d'avoir une carte comme ça. Parce que des fois, tu sais, justement, dans le jeu d'avant, on se retrouvait coincé parce qu'on savait pas trop où il y avait un truc à faire. C'est toujours cool d'avoir ça. De devoir aller voir le guide de stratégie, quoi. Ouais, c'est ça. Normalement, on sait où il y a à faire. Et on peut se téléporter aussi. Donc... Ah, double point bonus. Nice. Incroyable. On a un petit indice là, le guide ici, et voilà. Bon, bah, il n'y a plus qu'à voir le look des scènes, et puis c'est parfait. Hein. C'est ça, voilà. En vrai. Alors. Emblème rouge. Ok. Allez, la kleptomanie commence. Hein. C'est parti. Docteur Victor H, c'est moi ça? Les fées semblent conserver cette chose bien fermée. Ah ouais. Bon. Intéressant. Sacoche. Ah. On a vraiment un flashback de ce qu'on a vu il y a 2 minutes. Les autorités ne croyaient pas que Victorian était poussé dans le mist. Le seul qui me croyait était Dr. Victor Hagg, un scientifique. With an extensive knowledge of the paranormal. T'as l'air flippant. Ouais, pas très rassurant. C'est lui le phénomène paranormal. C'est ça.
Victor aide Pekin m'aider. Ok. Ah, passer à travers la brume. Ah bon? C'est dangereux. C'est ambitieux. C'est clair. Encore un emblème. Ouais, on a volé son carnet, du coup, parce que c'était son nom sur le carnet, Victor. Ah ouais, c'est... Ouais, pardon. Donc on lui a volé, en fait, tout blanc. Putain. Silex, ouais. J'attends depuis des années de revoir la brume. Cette fois-ci, je serai prêt grâce à l'aide de Victor. Ok. Bon. Super. Par contre... merde. Les niveaux... Merde, comment ça s'appelle les trucs à trouver un peu là qui vont se transformer. Putain, j'ai vraiment perdu mes mains. Il y en a une logique en mode une par scène, enfin une par endroit, ou c'est un peu complètement aléatoire? C'est un peu aléatoire, je pense. Et mentalement, fait tout ce que dans ouais. Le jeu d'avant, avant, celui de la Smithsonian là, ouais. C'est une logique, tu vois. Il y en avait un chaque tableau, enfin entre guillemets. Là, je crois que ouais, chaque fois qu'on avance, il y en a un qui trouve. Il y en a 21 à trouver. Donc c'est pas tout le temps partout, mais quelques fois. Écoute, on va essayer. Hein. Ouais. Ah voilà. Ah. Ça tombe bien. Rouge et bleu. Ça, pour l'instant le niveau est bon. Un autre niveau, on peut le faire. Ah pas pour fée, cool. Ok. Parce qu'en fait la fée c'est celle qui va nous donner les indices. Ah voilà, piège et appât. Piège et appât, machin, ok. Prenez une belle cage. Serrure de tente. Les habitants pensent qu'il y a des créatures étranges dans la brume. On évoque des fées, mais personne n'a réussi à les capturer. Victor sait comment s'y prendre trop fort. Okay. Bah, du coup, si personne n'a réussi à les capturer, enfin, si lui, là, il sait, pourquoi personne n'a jamais réussi à les capturer? Ouais, je sais pas. Il vit tout seul. Il sait, mais il veut pas le faire. Non, pas envie. Pas envie. Couteau. Okay. Et là beaucoup de sculpté en plus. Faut éclairer. Hein. Pourquoi je suis dans une tente en fait? Non, c'est pas en l'air, c'est pas ce qu'on fout là, mais... Oh! Arbalète? Je pourrais en avoir. C'est dangereux, quand même. Un couteau dessus, c'est... Pourquoi tu veux aller voir les fées? Je vais les buter. Je vais les buter. Donc il faut quoi? Du fil? Une flèche? Et... Simple. Ouais. Alors j'ai ma... Simple. Ah, c'est serrure de tente. Clac. Ah. Alors que c'est en tissu et que t'as un couteau. Non, ouais. C'est ça. Sélectionnez chaque morceau de corde dans le bon ordre pour démêler la serrure. Ok. Ouais. Ça ah ouais. Comme ça. Oh, j'ai un niveau de difficulté, ça va. Genre... Ouais. Je pense qu'on a comme pire. Ah, succès. Nice. Yeah. C'est que je l'ai fait rapidement, je pense. Oula, il fait peur, Igor. Victor. Ouais, je l'ai reconnu qu'après. Qui était tout voûté. You have to see this. It's the mist. It has returned. Nice. This is the moment we've been waiting for. I've set up everything just like we planned. Mm-hmm. All we need is some fairy bait. Once we catch one, we'll discover how to pass through the mist. Maybe we could ask one about your brother. That is, if fairies even speak our language. Okay, on va faire ça. J'ai vu qu'il y a beaucoup d'inconnus. Hein. Si on passe la brune, est-ce qu'on peut repasser de l'autre côté? Est-ce qu'elle parle le même langage que nous? Est-ce que ça va marcher? C'est pas trop. Il y a beaucoup d'inconnus. Hein. ok. Là, c'est toujours sombre. Ouais. Bon, on va avancer. Là, c'est toujours sombre après. Ouais, ouais. Toujours. Ah, oh, le pont. Il n'a pas changé depuis la dernière fois. Il est flippant. Ouais. Il n'a pas changé, il est un peu pourri. Il y a vraiment des gosses qui s'amusaient il y a 20 ans. Ouais. Donc, on était vraiment tout petit à dessiner devant des gargouilles comme ça là. C'est pas très inspirant quoi. Ah, une flèche. Pas voler sans plume, quoi. Ok. Grève. Ah, de la peinture, nice. Yes, c'est exactement ce qu'il nous fallait pour retrouver notre frère. Un croc. Un croc. Okay. Ah là j'ai le petit... voilà. Donc ça c'est notre petit porte-peinture là. Donc en fait il va falloir qu'on retrouve des fragments de peinture. Et une fois qu'on les a tous, on fait un petit puzzle. Et après, ce qu'il y a de dessiné là-dessus, on y fait cramer. Et ça apparaît dans le monde réel en fait. Voilà. Ok. Et comment on fait... Comment on y fera cramer? Parce qu'il faut le faire cramer à chaque fois.
En fait, on aura un petit dragon avec nous, tout mignon, qui va cramer pour nous. Ah mais non, c'est un briquet, c'est trop... Ouais, non, c'est trop... formel. C'est pas assez mignon. C'est pas assez... dans l'esprit du jeu, quoi. C'est ça. Alors là, c'est quoi? Putain, c'est... Ah, un croc. Tu veux lui remettre ses dents, je pense? Ah ouais. Ouais, c'est ça, ok. Tiens. Et un manque une, bien sûr. T'as pas mis tes dents, mec. Ah non, là. Ah, voilà. Ça va, t'es pas loin. Clic. Ok. Encore une fois, tout ça est à portée des enfants, quand même, hein. Parce qu'au niveau hauteur, en plus, c'est dangereux. Ouais, il manque des plumes, ouais. C'est chiant. Je sais pas sur quoi tu vas tirer aussi, mais vu la pointe de flèche, ouf. C'est clair. Ça va tuer, hein. Ça va one shot. Ah, il y a une scène, là. Ah, okay, bah oui. Quelque chose. Ah. Je vois encore sans les scènes. Je suis curieux. Tirer la calèche vers la berge. Qui c'est qui s'est noyé, là? La bonne n'a pas transformé cette grenouille en prince, tu m'étonnes. Ah. Quoi? Ah. C'est drôle de grenouille. La grenouille s'est évaporée quand elle a quitté la brume. Ah, ok. Le pont est fermé, danger de mort. Cool. La brume fait disparaître les choses de façon étrange, ok. Donc tout ce qui est dans la brume peut pas en sortir. Cool. Ouais, mais du coup, la barge elle est dans la brume. Ouais, un peu chaud. Tu veux qu'on fasse quoi? Ah ouais, on peut pas faire la scène en fait. Je dois essayer de ramener la machine vers la rive, putain. Ok. Et si elle disparaît, hein, tu seras beaucoup de mal pour rien. C'est clair. Attends, un couteau si tu veux. Ah ouais, couteau. Mais arrêtez avec les gargouilles, sérieux. Les enfants qui venaient ici quand même, c'est flippant. Ah, le fil pour l'arbalète. Ok. Ok, n'importe quel fil convient, on dirait. Ça, c'est quoi? Les lucioles peuvent illuminer ce mini-jeu. Oh, c'est beau. What? Des lucioles, ok, mais j'en ai pas. Très bien, bah écoute, on a rien ce qu'il faut, c'est cool. Ouais, alors je vais aller sur le pont, peut-être. Il fait plus peur que le reste, lui. Hein. C'est ça. Bien fermé, cool. Et du feu vert. C'est le feu grégeois. Ouais, c'est ça. Ready to make the biggest discovery of the century? Non. I've set the trap, so we just need the bait. Non, je suis pas prêt. Non. My calculations are correct. That cage should contain it. Then, well, we'll have to hope it's friendly. Remember, there could be monsters in there as well. Mm-hmm. Ouais, bah tu dois venir de l'autre côté, je pense, du coup. Look there. Tu t'es déguisé en humain, mais... Ah, oh. Tu t'es vu le dragon? Non. It appears that they cannot survive without the mist. Ah, ils peuvent pas survivre sans la brume. Donc il y a des petites créatures mignonnes, puis il y a des monstres. Ouais, t'as des vents... T'as des peluches, quoi, qui cohabitent avec des monstres. C'est ça. La brume permet à des créatures bizarres de survivre. Ok, intéressant. Attends, je crois qu'il doit y avoir des métamorphes, là. Peut-être. Ouais, je sais même pas... Ce qu'il faut réussir à repérer, c'est la fréquence sur laquelle elle change. Ouais. Alors je sais pas si au tout début il y en avait, peut-être pas. Parce que s'il change très lentement, ça va être très chiant à trouver. Alors il faut passer sa souris. J'ai pas eu l'impression pour l'instant. Ouais, après, voilà, sympa. Juste parce qu'on a peut-être pas été attentif, mais... Ta-ta-ta. Je vais juste voir dans le guide s'il y a jamais... Ouais, t'as fait, vas-y. Alors... Des objets à collectionner, ouais, c'est ça. Alors le premier... Non, c'est après. C'est pas encore. Ok. Ouais, voilà, nickel. Cool. Faut faire quoi? Ah oui, le truc à fée. Voilà. Petit appât pour fée. Allez, viens. Ah, yes. Et je claque. Oh mon dieu. Help! It's pulling me into the mist. Ok, mais y'a que Toulouse qui vient, quoi, trop bien. Nice. Ah, il chope, ouais. Comment je l'aide? Ah, il faut. Là, tu lances le couteau dans la tête, hein, tu lâches. Là, c'est le seul truc moyen d'aider, quoi. Briser la chaîne pour sauver Victor. Ok. Heureusement que le temps est figé, hein. C'est clair. Allez, on porte la boîte. Et on porte tout.
Ouais, bouge pas, Victor. Hein. Deux minutes. On arrive, hein. Je pense pas que le couteau... Peu de chance. C'est pour ça que ça soit réparer la palette. Non. Il a toujours pas de plume. Je peux pas retourner en arrière, donc c'est forcément. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est en fait tout rien. Ah si il est. Merci Victor, c'était sympa d'être là, mais. Ouais. Je vois pas, est-ce que t'es, genre t'as lancé de la peinture, enfin j'en t'as rien pour. T'es flippant. Parce que là t'as littéralement rien, on a essayé tout ce qui pouvait potentiellement marcher. Hein. J'ai bloqué au début. J'ai bloqué. C'est la ceinture. Ah ouais, il y a un truc à la con, mode, on vise mal, tu vois, sinon c'est pas le truc, tu vois, je sais pas. Ouais. Non, on peut pas. Ah, la chaîne, je lui donne la chaîne pour qu'il s'accroche. Yes. Dans ce cas-là, pourquoi il voulait que tu brises l'autre chaîne de cette vie-là? Non, il m'a juste montré l'autre chaîne, c'est tout. Il a cassé la caisse, je suis pas gros, je suis pas content. Ah. Oh. Nice. Ping. Voilà. Don't worry about me, old friend. Oh. What was that? It must have been after all those fairies. Did any of them survive? Ne vous inquiétez pas pour moi, je m'inquiétais pas pour toi en fait. Je mettais quoi dans les couilles en fait, c'est juste mon frère que je recherche depuis 20 ans mais... Le monstre qui a porté Dorian a failli en faire de même avec Victor. C'est bon, j'avais peur plus de preuves les plus gros chez vous. T'es un peu froussard toi. Hein. Bah, il y a 20 ans, je peux comprendre, tu vois. Ouais. Mais bon, ça donne pas trop espoir pour son frère quoi. Ça fait 20 ans qu'il a été emporté par cette créature là, bon... Bon, fais ton deuil, quoi. Hurry, the pixie is dying. Oh non. Pixie is dying. We need to collect some of the mist. Ah oui, otherwise, merde. Ah bah oui. This will be in vain. Elle a été éjectée de la brume, donc elle peut pas survivre, merde. J'allais dire, ça va, il y a de la brume partout. Je te rapproche un peu, tu fais un effort, tu vois. Surtout qu'elle est venue de notre côté, non? Elle est venue de l'extérieur de la brume, trop bizarre. Ouais. Bref, j'ai pas commencé à essayer de chercher les noises, ouais. Ah, la pauvre, elle meurt. Il y a de la peinture, si tu veux. Comment on chauffe de la brume? Moi, je sais pas. Tu prends un pot. Ça, c'est une c'est sa torche qu'il a, lui. Bon, j'ai rien, de toute façon. carte. Oh, le bas de récipient spécifique. Oh, putain, il y a des trucs à faire partout, quoi. Ouais. Peut-être là. Bon, de toute façon, j'ai ça, là. Et il manque quoi, la flèche? Ouais. Ouais, mais pour ça il te manque la plume. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait. Ouais, c'est tout ce qu'il y avait. donc pas là, là. Ah, le si. Je sais pas pourquoi ça va t'aider quoi, mais. Ah. Ouais, voilà. c'était ça. Ouais, c'était ça. tu as achevé la fée. Ah, c'est pour la flèche. Carreau d'arbalète dans ta tête. Ah, ok. Non, tu ne prends pas la flèche. C'est clair. Alors, arbalète. Je pense que ça va nous aider pour la brume, mais écoute... Ouais, je sais pas. Ah, pour tirer la calèche. Bah, ça serait l'autre sens du mot de tirer, mais ouais, je sais pas, ça va aider, quoi. J'ai tout ou pas? Faut ça. Bah, on a tout, non? C'est arbalète, la flèche, le fil, les deux bidules, ça, là. Ah non, j'ai pas tout encore. C'est quoi le star là? Je sais pas. C'est ça qui manque, je pense. Il y a un ruban, ouais, un truc comme ça. Un élastique. Armature, je pense, ouais. Ouais, plus que là. Téléportation. Ouais, ça. Donc là, il y a un truc. Il y a que ça, en fait. Ah, mais. Silex. Yes. Super, c'est exactement ce qu'il fallait. Ah, la lampe, oui, pour éclairer le truc sombre dans la tente. Ah. Voilà. Là, tu vas trouver de quoi soigner une fée, quoi. Ah, assembler l'image en disposant les dessins correctement, ok. Alors ça... Ouais. Ouah, ça va être relou. Enfin, chaque fois qu'il y a une épingle, c'est une position, en fait. Ok. Donc il y a au milieu, puis t'échanges comme ça.
Bah, là, celle qui est en haut à droite, elle est au milieu. Enfin, en tout cas, ouais. Ah oui, comme ça. Ah, voilà. Ok. Celle que tu viens de ramasser, du coup, que t'as mis en haut à droite, elle va en bas à gauche, je pense. Ouais. Ça peut être au milieu. Là. Ouais. Et au-dessus. Nice. Strange. Dessin de fée. Je sais pas où ça peut nous aider, mais pourquoi pas. Ah, peut-être pour le livre. Le bouquin, il y avait des dessins de fées dessus. Mais je sais pas si ça nous aide. Mais... Là-dedans. Ah là, ah oui. Ok, sélectionnez le bon bouton pour placer les fées dans le bon ordre. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il y a des couleurs, là, il n'y a pas de couleurs. Ah si, là. Ah. Ah ouais, d'accord. Donc le vert, c'est... En bas. Je te touche les boules. Et elle est en bas. Ah. Oh, ah, ça s'allume. C'est trop joli. Les petites... Et le... Ah, c'est ça, en fait. Là, il y a ça. Ouais, j'ai l'impression. Alors, c'est celle qui chiale. Oh. Yes. Ok. T'as Jésus-Christ qui est tout en haut. Celui-là... Il est tout en bas. Il faut le mettre tout en haut. Ok. Jésus-Christ. Ah, il est un peu comme ça. Nice. Trop simple. Ah. Mon frère est quelque part... Hein. Enquête suspendue, la police a mis fin à ses recherches sur la disparition de Dorian. La brume mit tout réalité, tous les efforts pour confirmer son existence ont été vains. J'ai vu le désespoir dans ses yeux quand il s'est présenté. Personne ne croit que son frère Dorian était emporté par la brume. Il ne croit pas que des dessins puissent prendre vie, ayant l'existence de monstres ou de fées, mais moi j'y crois. J'ai l'opportunité de l'aider en enquêtant sur ce phénomène afin de prouver l'existence de la brume. Cool. Aile de fée. Ah, le... Voilà, corde d'arbalète. Ah, super. Je me souviens du fil, ça me paraît bizarre quand même pour une arbalète. Ouais. Nice. Mais bon, je sais pas pourquoi il y a vraiment du fil quand même. Je sais pas comment faire, mais... Donc... Alors, comment on construit ça? Fil... Ouais... Et pour tirer la corde d'arbalète. C'est pour ça qu'il y a du fil. Ça. Ouais, ça. Ça là, non, la fil. Ah oui, ça vient là en fait. Et ça là. Ok, ça c'est quoi ça? Mais c'est pour... Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Si, on a flèche vers toi. Nice. Alors est-ce que l'arbalète sert à faire ramener là? Bah, ça me paraît bizarre quand même, hein, mais... Oh yes. Écoute la logique, hein. Ok, putain, elle est solide la flèche. Ah, mais c'est pour ça le fil, d'accord. Ok. D'accord, ok, voilà. Ok, logique, hein. Bien sûr. Aussi résistant pour ramener une calèche, quoi. Tout s'éclaircit. C'est clair. Et est-ce qu'on terminerait pas par une scène? Attends, non, moi j'attends ça depuis le début. Hein. Je veux savoir à quoi ressemblent les scènes dans ce jeu. Alors. Ouais. Donc il y a des trucs à faire. Ah oui, ça a l'air. Ça a l'air compliqué. Appareil photo en plein milieu. C'est des vieux appareils. Un peu à gauche. Yes. Ok. Le collier, il va là. Il y a beaucoup de trucs qui demandent une interaction. Hein. Ouais. Ça va être drôle. C'est toujours le comme ça. Le il est au milieu, tout à droite. Enfin, vers la droite. Sur le... Ah ouais. Ouais, voilà. Le cartable, je n'arrive plus à trouver. Bon, voilà. Et un petit bijou bleu, encore. Oh, tout ce qui est coloré. c'est entre guillemets facile. Ah, alors si j'ouvre ça, ça va débloquer des trucs. Ouais, voilà. Pipe boulier. Oh putain. C'est pas fait chier, t'ouvres un truc, t'as deux objets quoi. C'est clair. Lunettes au milieu, tout à gauche. Ah voilà le truc. C'est des... Ah bah voilà. Pic. Oh, d'accord, trop bien. Logique. La logique est dans la cam. Ouais. Tout à gauche, Alice, t'as des lunettes. C'est... Ah ouais. Alors j'ai une brosse. Et j'ai un truc. Et un dessin. Putain. Ouais, il faut feuille, mais je sais pas si c'est une vraie feuille, une feuille d'arbre. Ouais. Feuille, hein. Ah, c'est peut-être. On ne sait pas. Je sais pas. On regarde pas encore les succès, on fait la scène pour s'habituer. Hein. Ouais. Alors, je suis pas sûr, quoi. Faut pas te gâcher un truc. Mais genre, dans la valise, vous avez trouvé les lunettes au-dessus. L'autre... Ouais, voilà, celle-ci, au-dessus. T'as un genre de. Ça, là. Ouais, ça, avec un nœud, quoi. Mais... Ah, si je clique, ouais. Non, c'est pas ça. Non. Ah, non. Non. Ah, c'est ça.
Voilà. Ouais, bah oui. Putain. Je ne veux pas gâcher un clic. Faut peindre le portrait. Ça va être drôle, ça. Feuille diamant. C'est quoi ça? Ah, si, il y a des crayons de couleur, je les vois. Là, t'en as un, ouais. Ah, ah ok. T'as un verre qui est un peu plus. Voilà. Dans la valise, t'as un. La valise de gauche. Ah, ouais. Et ok. Enfin, jaune. Cher. Perle. Ah, c'est pour la. Ah, oui, c'est ça, d'accord. Ah, ok. Non. D'accord, très bien. Très bien. Et je pense que la feuille, c'est celle qui est en bas vers le milieu, un tout petit peu à droite. Ah. Et le diamant. Le truc le plus précieux qu'on a pas trouvé, quoi. Ah, si, milieu en haut, un peu à gauche. Je crois. Ah, ça ah, oui. En dessous, voilà. Oh! Succès. Ouais. Oh là là, mais on trouve. Le ciel. Ok, bon, on va s'arrêter là. Que de succès, hein, un épisode. Ouais. Qu'est-ce qu'on a eu comme succès? Ah, je ne sais pas. Sauvegarde. Oh, 3! Vache. Alors, un mini-jeu avant que le bouton passé soit chargé. Trop bien. Parfait. Un mini-jeu sans passé. Une scène sans indice. Et ben voilà. Ouais, trop facile. Foncé, voilà. On est trop. Trop des pros pour arriver. Ouais. Ok. Donc, bon, on s'arrête là sur ce premier épisode. Très étrange, hein, vous avez vu. Ouais, assez étrange, intriguant. Donc, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite, bien sûr. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser des likes, des commentaires à partager. Et à la semaine prochaine avec Wenzel pour la suite. Évidemment. À la semaine prochaine, les amis. Ciao, ciao. Salut.